Je dois donner, voilà, il faut que vous sachiez la matière de mon œuvre. Moi, qui en suis un seul maître de ma production littéraire, je ne peux vous en montrer qu'une infime parcelle, seulement un petit centimètre. De quoi vous satisfaire? Par-dessus tout, réalisme, 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 chose amère. Triste, mieux vaut vivre dans l'imaginaire. J'ai fait vivre dans mes drames impératrice et princesse, empereurs et cardinaux. Je prétendais rivaliser avec le Quo Vadis. J'entamais ainsi. On venait de sonner l'heure tierce. Dès qu'à l'ordre d'avril, lorsque le parasite Crispolos vint au vomitarium, dans l'amphithéâtre Flavien, où avait lieu la représentation de la Cinaria de hier se sonnait, je l'ignorais. Cette prose sans cesse merveilleusement résonnait dans ma tête. J'aime l'immense, le grandiose. Malheureusement, je ne peux vous montrer, cher public, rien de plus que réalisme. Réalisme, réalisme, chose amère. Triste, mieux vaut vivre dans l'imaginaire.
parler avec grandeur les princes et les empereurs, les dames de haut lignage. Ici j'ai recueilli l'histoire pour vous seulement d'une fille égarée et d'un peintre. J'ai chanté le grand amour de la dame aux camélias dans le vieux quartier près de la Joliette et du vieux quartier de l'Opéra. Le Marseille des faubourgs sordides et infâmes. Le vieux bistrot du coin de la rue, le violoniste chevelu, la confabulation lamentable de l'artiste qui échoue, de la pauvre fille, perd sa route. Réalisme, réalisme, chose amère, triste, mieux vaut vivre dans non,
personne. Oh mon Dieu, faites qu'elle vienne. Non. Vous ici, il y a longtemps qu'on ne vous voyait plus. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps que je ne suis pas venu ici. Mais et vous? Je viens faire ma partie de cartes. Ah. Que devenez-vous? Bah, vous savez, pas grand-chose. C'est parfait. Bien, excusez-moi, je vous laisse. Mais... L'ouvrier Simon Calombredin dépose, selon son habitude, sur la table son très maigre salaire. Et sa gosse, dans sa douce innocence, prit l'argent, imaginant un jeu. Un billet de 50 en riant le jeta dans le feu. Burgueule le père, désespéré, dans un éclat de rage immense, prit un couteau bien aiguisé et de sa gosse trancha la gorge. Dans sa cuisine, qui donnait le bain à son petit frère, à ce grand cri, sur une libide, et s'écroula près de par terre. Entre-temps, bibon toute la salle, le petit frère se noyait dans sa bassine, et fuyant, fou furieux dans la ville, l'ouvrier fut saisi par la garde. Et bien que ce ne soit que des prolétaires, cela fit très grande sensation. Et l'on fit beaucoup de commentaires sur l'horrible crime. Eh bien, cela fait longtemps qu'on n'avait rien lu d'aussi intéressant. On va couper la tête à ce type, non? Tu dis n'importe quoi. Tu ne comprends pas qu'il a commis son crime dans un moment d'aliénation mentale? De schizophrénie à tendance paranoïaco-maniale à bifocalisation culturelle, avec fixation chiasmatico-édipienne pour les acculturer et les abandonner. Je te saisis. Comment plus, il est devenu dingue. C'est une circonstance atténuante. Alors tu crois qu'on ne lui fera rien? Si, les psychiatres feront tout pour le guérir, et puis une fois qu'il aura retrouvé sa tête, on la lui coupera. Mais c'est normal. Ben, la justice ne va pas s'amuser à faire tomber la tête de ceux qui l'ont perdu. Absurde ! Absurde ! De nouveau, c'est le printemps. Quel manque de respect pour notre époque ! Quel manque de considération pour ceux qui n'ont rien à se mettre ! À quoi bon que se fier? Plus rien ne compte désormais. Lui, ton âme, place son oeil, nuage. À quoi bon cette fantasmagorie? Qui peut penser parler de son amour du prochain et de sa prochaine? Un jour le froid, un jour la chaleur, on se découvre un peu trop tôt, on s'arrive. Dans les jardins publics, les bancs se mouillent.
mes gonds se décomposaient sur le sol. Plus loin, dans les coins d'ombre, sont des couples. Et ce cupidon stupide, en les narguant, lance ses flèches. J'envie les chiens des gens riches, qui ont chaud dans leur poêleau de l'hiver, et qui l'été sont bien taillés. J'envie les escargots, qui ont toujours sur leur dos leur pension de famille. Qui peut oser parler de son abonné prochain? Vous désirez? Rien, tout à l'heure. J'attends quelqu'un. Quel casse-pied, celui-là! Elle ne vient pas. Il est déjà 10 heures. La voilà. Oh, la Trini, assieds-toi. Enfin, te voilà. Cette belle brute. Brute, tu t'es vu. Quand j'aurai petit moyen. Il est venu vous taper, je suppose. La chose est bien claire. C'est pas tes affaires. C'est raison, car c'est ton argent et tu le gagnes d'une honnête manière, d'une honnête manière. Pauvre type, tu as toujours ta sale langue de vipère. Moi tes sarcasmes, je m'en moque. S'il vous plaît, garçon. Oui, je vais chercher ça. Voilà. Merci. Ainsi donc, Petra t'a mis à la porte. Que fait
Avec un fonctionnaire, elle s'est mariée. C'est ça la vie. J'admire que puis-je donc faire? Tu as donc été amoureux de cette femme? Je crois que oui. Oh oui, de la Petra, je suis fou depuis au moins une bonne semaine. Bravo, amour fou de cette femme, c'est trop drôle. Drôle, pourquoi? Il n'y a rien là de particulier. Oui, c'est bien vrai, car ni elle, ni son mari, ni toi, vous n'avez la moindre vergogne. Merci. Oui, c'est bien vrai. Il ne manquait plus que toi pour compléter ce beau tableau-là. Jésus, quelle honte! Même si je ne suis qu'une. Quoi? Car moi, bien que je sois une femme, si d'être mariée. Ah, mais Trudy, mais il ne faut pas parler comme ça. Tiens, regarde, la nuit est belle. Allons faire un tour, tu viens? Si tu veux, mais il faudra que je revienne ici. On m'attend. Ah, mais comme tu veux. On y va. On y va.
De tous, c'était le meilleur et le plus beau que j'ai pu faire. Rien ne fut jamais comparable. J'étais seul et sans loisir. Seul, sans un sou en poche. Seul et sans espoir. Sans personne. Quand on a voulu me l'acheter, je l'ai brûlé. Longtemps que je t'attends. Mais que cherches-tu donc là? Tu vois, je cherche mes cigarettes. Oh, les cigarillos, ceux que j'aime tant. Je savais que ça te ferait plaisir. Comme elle nous rappelle, te souviens-tu d'elle? Te souviens-tu de l'atelier? Oui, il faisait si froid. Et malgré tout cela, comme nous étions heureux, tous deux. Je me souviens.
Souviens-toi quand nous avons parié que je te porterai jusqu'à notre atelier et dans mes bras. Oui. Et comme tu criais, et ce sot de journaliste qui affirma que nous avions inventé ça, dire ça de nous autres, copier nous autres dans notre originalité folle et sauvage. Toi, oui. Tu as toujours été un peu fou. Va, artiste. Et toi aussi. Souviens-toi de ta première nuit là-bas. Tu étais dans mes bras. Quand tu me disais croyais voir mes yeux briller comme ceux d'un hibou. Mais c'était vrai! Et comme je t'aimais, il me semblait que toi, tu ne me croyais pas. Premier plat de la viande, deuxième plat de la viande, troisième plat, encore de la viande, toujours de la viande, la chair, mon cher. Je suis un homme acharné.
Eh ben, c'est pas si mal pour un jour de maigre. Ah, la chair, toujours recommencer. La maigre, la grosse, la brune, la blonde, la grande, la petite. Tout ce qui rentre fait ventre et rentre dedans, dedans le sien. Je palpe la pulpe. Je suis un poulpe érotique, protéique et tentaculaire. Vous êtes spectaculaire et spéculaire. Et plus qu'un poulpe, un calamar. Mais je raffole des vieilles dames insinuantes et discrètes, bien ridées. Des vieilles qui rient sous la poudre de riz. Des vieilles rient ? Des vieilles qui rient sous la poudre de riz. Moi, j'ai horreur des vieilles, même avec du riz. J'adore les veuves ingénues et grassouillettes, inconsolables tant qu'on ne les a pas consolées. Je suis fou des vieilles filles bien cuites sous la braise du désir inassouvi, au regard de feu. Je ne résiste pas aux femmes bien baisées, bien mariées, bien gavées comme des oies, rondelettes à craquer, à croquer. Les ingénues perverses, acides sous la langue, les vierges folles qui agacent l'appétit, me mettent l'eau à la bouche. J'aime les revêches, les pimbèches, je les lèche. Mon pourlèche. Vous avez un appétit, vous, à bouffer toute la terre. Mais vous pourriez pas arrêter un petit peu cette salade, quand même. Ah, mais je suis un salace satyre. Je hante les parcs, les jardins, les coins des rues obscures, les sorties des écoles. Ma drague et ma drogue. Oh, mais mes hommages, Madame Rosa. Bonsoir, Don Juan. Comment allez-vous? Oh, bonsoir, mes mignonnes. Mais présentez-moi vos trésors. Eh bien, cette demoiselle qui porte le joli nom de Fanny travaille à la raffinerie de sucre La Pauvrette. Oh. Il s'ennuie toute seule. Il n'y a pas beaucoup de travail, vous savez. Et il faut vivre. Oh, Mimi, elle, vit dans une chambrette et brode de jolies fleurs. Sans parfum, hélas. Elle qui aime tant les vrais et qui est un vrai bouton de rose. Une rose un peu palote et maigrichonne. Permettez-moi de leur offrir quelque chose à boire. Oh, je pense qu'elles ont plutôt faim, n'est-ce pas, mes chéries? Plutôt, oui. Aujourd'hui, j'ai mangé que des briques. Oh. Et moi, j'ai mangé que dalle. Oh, mes enfants, venez chez moi. Nous allons pouvoir bavarder tranquillement et croquer un morceau. Oh. Allez. Quand le poète malade est venu chez nous, en souviens-tu? Oh,
son mari. Son âme, les pires tourments. Le pauvre poète, bohème et farceur, n'avait rien au monde et vivait tout seul. Asile dans notre atelier, lui offrit la boire et le fit manger. Et toi, tu veillais sans cesse, bien des nuits durant, avec mon ivresse, je pensais alors, je pensais. Trini, je t'apporte ton châle, c'est de la part du garçon de café. Faudrait pas attraper froid, car ton homme t'attend tout à l'heure. Ça va pas te refroidir. Merci. J'aurais toujours plus chaud avec ça. Je me rappelle ce poète. Sais-tu ce qu'il est devenu? Il est mort à l'hôpital. Du reste, tous ceux qui ont vécu avec nous ont disparu. Aucun n'a réussi. Et puis d'autres garçons sont venus, eux aussi pleins de rêves, pleins d'illusions. Ils parlaient d'art, d'amour. Tout est pareil, quoi. Il n'y a que nous qui avons changé. Rien n'est plus pareil, ma bonne. Regarde notre ancienne maison. Eh oui. Elle n'existe plus. On voudrait que tout ce qui est lié à nos souvenirs demeure éternel. Mais nous n'y pourrons rien. Thank you.
C'est ce type qui vient me chercher. Tu t'en vas? Eh oui, mon pauvre Ramon. Oh non, Trini, nous ne pouvons pas nous quitter ainsi. Oh. Après tout, peut-être que tu seras plus heureuse que moi. Tu oublieras. Tu m'oublieras plus vite encore. Si tu savais. Moi, que me reste-t-il? L'hôpital, le suicide. Et puisque m'importe que l'on se moque, je suis seul et pauvre comme toi. Et puis que m'importe ce que l'on peut dire, ce que nous sommes, car devant Dieu, je te jure, crois-moi. Bien. Trini, tu viens ou non? Il y a des clients qui t'attendent. Voilà. Vous êtes fou, mais qu'allez-vous donc faire si elle ne voulait pas? Elle ne partirait pas. Vous avez
tout à fait raison. Ne vous en faites pas, Ramon. Quand une femme s'en va, une autre revient. Oh, mais ce n'est pas une femme qui s'en va. C'est ma jeunesse qui s'en va et qui ne reviendra jamais. Vous partez, Ramon ? Oui, je pars pour une promenade, mais une longue promenade. Thank you.